Je suis rentrée dans l'école d'ostéopathie parce que quelqu'un m'avait parlé de l'ESO. Il m'a dit qu'il y avait un très grand programme avec beaucoup de matières médicales, notamment de l'anatomie et de la physiologie, des sujets qui m'ont toujours passionnée. Et c'est pour ça que j'ai choisi cette orientation-là, de l'ostéopathie au sein de l'ESO. À l'ESO, la vie étudiante, c'est plutôt quelque chose de sympa. On a passé 6 ans tous ensemble, une grosse promo, on était à peu près une centaine. Pour l'enseignement, on a des professeurs qui sont spécialistes de ce qu'ils font. Donc c'est super intéressant de les avoir pour partager leur expérience. Ils sont très accessibles également, donc ça a été quelque chose de vraiment sympa à l'ESO. Ensuite, l'arrivée en clinique, ça c'était un grand moment aussi pour nous dans le cursus. Et ensuite, les stages externes, un petit peu pour se familiariser avec les différentes pratiques de l'ostéopathie, donc en milieu sportif, en entreprise, les maternités, en hôpitaux. Donc ça permet aussi pour la suite d'envisager un petit peu mieux notre avenir. Après toutes ces années à l'école, on s'aperçoit qu'on a grandi, on s'aperçoit qu'au final, nous aussi, on est capable de le faire. Je sais qu'au début, la confiance, on ne l'a pas tout de suite. Ça se gagne petit à petit. Quand on voit que les patients reviennent, nous disent « merci, j'ai plus mal » ou « ça va beaucoup mieux après une consultation », c'est vraiment quelque chose qui nous permet d'évoluer, mais qui nous permet de grandir également. Donc c'est vraiment quelque chose que je souhaite à tous ceux qui vont venir à l'école. Chers anciens étudiants et nouveaux diplômés, je suis très fière d'être ici avec vous pour partager votre remise de diplôme. J'espère qu'on aura l'occasion de se revoir et partager de nouvelles expériences en tant qu'ostéopathe et donc collègue. Maintenant, place à la fête et encore toutes mes félicitations. Donc à partir de la 6e année, on a l'occasion de faire plusieurs séminaires au cours de l'année, notamment avec des intervenants extérieurs à l'école, étrangers. Ça permet d'avoir une autre vision par rapport aux profs qu'on côtoie tous les jours, notamment en clinique et en cours de théorie. Donc ces séminaires-là, c'était vraiment bien. Ça nous a permis d'avoir une autre vision d'ostéopathie vraiment en dehors de l'école. Donc pour moi, mon avenir, il est plus ou moins tracé. J'ai déjà commencé à exercer et je continue également avec une thèse donc pendant 3 ans sur la vie étudiante. Je compte ouvrir mon cabinet l'année prochaine et cette année, je vais plutôt faire du domicile pour développer ma patientèle autour de chez moi pour après m'installer l'année prochaine. Cher promo ESO Style 2017, on vous souhaite beaucoup de chance dans votre installation, beaucoup de réussite. On est ravis d'avoir pu vous amener à une telle qualité de soins. On sera certain que vous allez soigner beaucoup de patients. Alors bon vent partout en France et dans le monde.